On va se reposer, on avance. Là, c'est vraiment agréable à jouer. Bon, je suis pas super motivé là aujourd'hui, mais je vous jure, je suis trop crevé. Trop crevé. Vraiment. La fatigue absolue. Et les mecs. Oh là là, sérieux, c'est pas passé en coup de mort direct. C'est là où je me dis que si j'avais le coup de grappin attaque, j'aurais pu l'attaquer lui en m'agrippant en grappin directement. Il m'a vu. Poudre pare-feu. Ah, j'ai pas lu ça. Bon, c'est la première fois que j'en ai ici. Pas du tout. Poudre pare-feu. C'était quoi du coup ça? Un remède pour soigner les brûlures. Ah, ok, my god. C'est juste un anti. Antidote. Mais pas anti-poison quoi. Mais genre, ils m'ont vraiment vu quoi. Ah, bah vraiment. Il y a tellement de random. Tellement de random. Au secours. En fait, je vais mourir parce qu'ils sont trop chiants. Qui contre Mikiri. De l'huile pour mieux les brûler tous. Oh, qu'ils étaient chiants. Hein. La flotte. À quoi sert la flotte ici? Y a des poissons ou pas? Je suis le destructeur de bambou. Un gros. Un gros destructeur de trucs. Hein. Merde, je pensais pouvoir agripper ça. Pour contourner. Visiblement non. Après je pourrais les atteindre par derrière via le passage secret que j'ai trouvé. Ah putain, il y avait moyen de s'agripper là-haut. Ah non, c'est juste un grappin qui me projette, ok. Pas monter sur la branche en elle-même. Il y a cet archer qui se balade. Petit coup d'aspirateur. Salut fiston. Il y a un autre connard aussi. On va voir si de ce côté là on peut pas. Non, il y a pas moyen de se grappiner. Grappiner qu'il a dit. Attends.
Alors attendez. Ça me rend fou. C'est bon. Je vais essayer de faire le jump que je voulais tantôt. Hein. Yes, c'est passé. Il y a des ennemis derrière moi, pas vraiment. Aïe, je pensais avoir le temps de mettre un hit. J'aurais dû sauter. Je le vois maintenant. J'ai bourré un peu vers la fin parce que j'étais sûr qu'il allait être brisé, mais visiblement non. Salut Akame. Alors New Sekiro. Oh 100% New. New, il y a un milliard d'armes, c'est 10 fois mieux. Les cendres durcies, ça je connais. Mais c'est super agréable. C'est super agréable. Moi je préfère New, mais c'est parce que je kiffe être un vrai samouraï. J'ai un milliard d'armes sur moi, un arc, un fusil, un lance-bazooka. Tu vois, t'es... En plus t'as le skin des armures et tout, c'est trop bien. Si retire tout ça dans Nioh 2, Nioh 1 restera le meilleur jeu. Alors il fait chaud ici visiblement. Hein. Il fait chaud. Hein. Salut le vieux. Père, carrément. Ah oui, c'est vrai. Papa. Clé du temple caché. La clé du temple caché dans le domaine Hirata, donnée par la chouette. Le temple secret est situé tout à l'arrière du domaine Hirata. 2. La parole du maître est absolue. Protège ton maître à tout prix. Tu dois le ramener à n'importe quel prix. あちらから外へ出て崖沿いに進み、レーンから回り込め、さすれば抜け道が分かりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい、主は絶対狼よ。 Oh là là, le style de ces scènes, mon gars. Oh le vieux. Le cimetière.
Allez sur ma gauche. Allez sur ma gauche, suivez la falaise. Derrière le cimetière, il y a une entrée, c'est ça? Gauche, falaise, cimetière, passage. Mais est-ce que c'est les passages que j'ai déjà trouvé en fait? Je crois que c'est le passage que j'ai déjà trouvé. Hein. Je crois que c'est ça le truc. Alors j'ai vu qu'on pouvait s'abrocher à la... Le feu est trop puissant. Yes, je sais, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu. Je vais voir s'il y a du loot. Ah, ok, ok. J'ai pris cher. Sinon ça va, Akame? Tranquille ou quoi? Chaud pour rejouer à FF comme tout l'univers ou... Ouais, m'accrocher sur ces petits trucs. Est-ce que si je saute là, je meurs? Non. Non, on est d'accord que le feu est trop puissant, je peux pas aller par là. Tout ça, c'est du décor, quoi. C'est à mort. Ouais, là. Yes. Ils ont tout cramé, ces enculés. Hein. Ouh. Ouais, moi aussi ça va, ça va, ça va. C'est vrai que je suis chaud pour rejouer à la nouvelle extension aussi, j'ai hâte. J'ai hâte. Ah, mais oui, c'est bel et bien l'endroit où j'étais déjà allé. Effectivement. Et merde. J'ai appuyé sur R2, mais j'étais trop proche, j'imagine, du truc pour que ça passe. Enfin, L2. Moi ça va, à part que j'ai eu un week-end tellement chaud, tellement de trucs à faire. J'ai pas joué du week-end quoi. Et on est déjà dimanche soir, je suis deg. En plus j'ai fait l'erreur de faire une sieste. Je hais ma vie maintenant. Alors eux je les ai déjà tous défoncés. J'ai pas envie de les recombattre en vrai. Surtout que j'ai pas de quoi me healer. Je vais plutôt me TP. Dernier idole de sculpture utilisé. Et de là, me TP à la... À la zone où je dois être. Qui est... Il y a un genre de... Comment ça s'appelle? Il y a un petit souci là. Hop. Ouais. Il y a un... Il y a un quoi? Voyager. Voilà. C'est ici qu'il faut que j'aille. J'y étais déjà allé en fait avant d'avoir parlé aux vieux. Du coup c'est bon. Le domaine Irata. Du coup en fait le passage qu'il me disait c'était suivre la falaise. Après il y avait 2-3 mecs à combattre et puis il fallait monter ce puits. Et en fait on arrive comme ça, tac 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 tac. Et on est bien à l'endroit. Du coup maintenant on peut aller utiliser la clé par là quoi. Alors avant je vais utiliser mes points de compétence pour acheter le contre amélioré là. Ah je peux pas? Ah parce qu'il faut que j'achète ça. Ou alors que j'achète ça. Ah mais attends, il y a une ligne. Ah non c'est ça, into ça. Mais non, regardez les lignes, elles disent que si j'achète ça, normalement j'ai disponible. La compétence n'est pas encore apprise. Bah, je veux l'apprendre justement. Je suis obligé d'acheter ça? Yes, je suis obligé d'acheter ça. Génial. Alors que depuis ce point, on voit qu'il y a un embranchement qui monte vers ici. Ils ont mal fait leur image. Parce qu'on a l'impression qu'on peut bypass ceci, tu vois. Mais bon, on peut pas visiblement. Alors c'est quoi que j'ai appris? Acheter le truc, j'aime pas. Course et glissade. Permet de glisser pour s'accroupir près d'un, après un sprint. Comment on fait? En sprintant, glissade. Terminer un sprint par une glissade en mettant un accroupi. C'est-à-dire. Ah oui, je vois comment. Tu sprintes et puis tac. C'est pas. Ouais, c'est stylé. Pour le côté swag, c'est bien. Ah, c'est bien. Pour le côté swag. Ah merde, il y avait des vrais ennemis. Mais. Flap. M'a mis la flèche, j'ai rien essayé de faire quoi. Ah ils sont beaucoup hein.
Oh putain, mais tout crame. Genre littéralement tout quoi. Même l'air brûle. Non mais regarde pas par ici, qui regarde en l'air, franchement. Je suis un ninja. Furtif. Regarde ce qu'il y a sur les toits avant. Il va y avoir un boss à un moment, c'est pas possible. Bon, allons les tuer. J'aimerais tuer les archers en priorité. Non mais non, oh là là. Bande de salauds. Merde. Merde. Ah, je vais juste mourir quand un caca, ils m'ont enchaîné. Au secours. Est-ce qu'il y avait un item à ramasser hein, après avoir fait tout ça? Je crois même pas. Ah! Poudre pare-feu. Bah si, il y avait quand même des trucs, c'est bien. On voit les cadavres des gens. Ah, désolé les gars. Confettis divins, des confettis agrémentés de bénédictions divines qui chassent les ennemis fantomatiques. Le papier est fabriqué de manière solennelle en étalant finement la pâte à l'aide de l'eau de la source de l'éveillé. Tout comme les dieux bénissent les eaux, le possesseur de ces confettis en sera béni par le contact, permettant ainsi aux attaques contre les ennemis fantomatiques de toucher. Ok, on se fout taper les fantômes quoi. C'est pour que le type normal puisse attaquer le type spectre. C'est Pokémon quoi. Comme quoi tout est un peu Pokémon dans les jeux vidéo. Royal note. Y'a rien d'autre? Y'a rien d'autre. Ah ici y'a un truc, hop. La porcelaine on connaît. Y'a des poissons ou pas? Ah je peux... Je peux traverser en allant par là-bas direct. Il y a un gros, 3 petits, 4 petits, 5 petits. Il y a un gros et des petits. Ok. Oh les salauds, bien vu. Ah ça va, il a appelé personne. Bien vu, je l'avais pas vu lui. Petite bourse. Bien vu l'aveugle. J'ai plus de quoi me heal, j'aurais peut-être retourné au point de save.
Alors, on peut pas contourner le gros en fait d'ici. Ce que je peux faire, c'est attaquer ce type gratuitement et puis m'en aller. Ah ouais, je peux pas m'en aller. Au secours! Tac 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 tac. Je suis un shinobi. La fuite fait partie de ma stratégie. Adieu. C'est la famille Joestar qui m'a appris ça, moi. Alors y'a quoi par ici? Du loot. On va même pas de loot. Ah ok, on peut pas passer par là en fait. Ah pourquoi il meurt? Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de m'aider. Il a défoncé le gros, je crois. Allô? Vous savez, je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas de loot là-bas. Pas du tout fui. Ah non, le gros est encore là. Au secours. Allez, mec, vas-y. Tu peux le faire. Hop là. Peut-être aller tuer les ads. Mais pourquoi j'ai switché de personne à attaquer? Ah fouille, ça me saoule quand ça change de lock. Bon, j'ai pas le temps pour toi, on va vite faire ça. Merde, il est mort. Allez, je tuais les ads, couze. J'avais pas le temps, moi. Là, je suis deg, il est mort pour de bon. Genre, il est mort, quoi. Merde, il m'a touché de là. J'ai pas de com heal, j'ai plus rien. Et il met du poison sur son arme. Et moi je crois que je vais me barrer et revenir avec Gil au moins. Hein. Sinon ça sert à rien. Il va juste mourir gratuitement. Jusho le pochard. Juste acheter des compétences avec les 3 points que j'ai, comme ça je les perds pas, voilà, tac. Dans mes spirituels j'en ai pas besoin, je me repose et j'y retourne. Genre sa vie est partie de lui. C'est ça, notre allié est décédé. C'est dommage, ça aurait été cool d'avoir un allié. Mais bon, visiblement c'est pas trop utile. Après là je vais pas tuer tout le monde. Juste lui parce qu'il est sur la route. Et voilà, on va fuir. En fait, il y a des ads, c'est ça qui est chiant. Sans le collègue pour occuper le gros pendant que je tue les ads, on fait comment? Après, on est dans un souvenir, il va peut-être revenir. Parce que c'est pas la réalité, là. On est dans le souvenir de mes aïeux. Alors, on est dans un souvenir d'il y a 3 ans. Dans le scénario. Pour moi c'est... Ah bah vous voyez, il est là. Je savais que t'étais pas mort. Yes. Meurs pas tout de suite, y'a moyen. Mais
Moi aussi. Non, je veux pas d'astuce, elle. Merde. Le poison. Il est mort, mon collègue, ça. Pas encore. Aïe. Ce caillou est mon allié. Il m'aidera jusqu'au bout. Eh, hey, il m'a touché avec son esprit là. Oh, sa couille. Bon, j'ai déjà plus de PV, au final ça change pas grand chose de revenir. Wouah, je suis déjà empoisonné. Prends ça dans la gueule. Brûle avec ton poison là. Le poison c'est pas brûle, ça c'est pas comme du gaz. Cramer sa mère. Merde, un caillou. Ah, peut-être. Essayons. Non, ça marche pas. Oh, je suis empoisonné. Je sais pas. Ah, le poison, je crois que c'est toujours la mort. Je crois que le poison, c'est... Wouah! Ouais, le poison, c'est la mort. La boulette counter vite fait, mais c'est la mort, le poison. Regarde mes PV pour voir. Ouais, c'est ça. Le poison, c'est la mort. J'avais oublié ces deux randoms là. Ah. Bon bah, retraite tactique. Oh fuck, j'avais oublié ces mecs là. Au secours. Non, 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 non. On les a pas tués. La fuite du Shinobi. Top. J'ai l'impression sur les annonces de FF14. Enfin, c'est bien. J'ai envie de jouer au jeu. Moi, j'aime bien les trailers des zones. J'ai toujours trouvé ça cool.
Je sais pas pourquoi les gens ils s'attendaient que le danseur soit un healer. Parce que c'est obviously un DPS de base. Et moi j'attends de toute façon les trailers des actions plus qu'autre chose. C'est le trailer des spells que j'aime bien. Le reste, c'est pas très important. C'est que des trucs qu'on sait quoi. Viens m'aider toi! Yes, 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 yes! Ouais, il m'a touché de là. Visiblement, ouais. Merde. Je pensais que c'était le cleave, je sais pas pourquoi. Je serais mal joué ce try. J'ai déjà plus de PV. J'espère que mon collègue est vivant. Mon collègue est mort? Ah non, il est là. Viens, espèce de connard! Ouf, il met un deuxième hit après son coup de tête. Je pensais qu'il mettait un deuxième hit que s'il touchait. Il m'a oublié. Ah merde! En fait, j'ai l'impression que le danseur sera comme le bard. J'en sais rien, moi je pense pas. Hein. Parce que c'est un range DPS que c'est pareil. Hein. Moi je pense vraiment pas. Au contraire. Mais je vois ce que tu veux dire. Summoner et le BLM, tous les deux des mages, ils sont pas les mêmes, hein, avec le Blared Mage aussi. Je sais pas. Je vais pas être médisant, moi j'attends de voir. Ah merde! Ah merde! Il est trop fort! Au secours! C'est le papa bandit, c'est... Waouh, c'était le meilleur guerrier ennemi. Hein. Ah moi je vous dis, celui-là, hein, c'était... Et là, il mérite une promotion, les gars. Ah, il mérite une grosse promotion. Hein. Ah merde. Trop marrant, j'ai pris une... Il m'a volé mon one shot. Au secours. Oh, il m'a touché avec son cri. Bon, jouons sérieusement. Viens ici, gros là. Viens ici, gros là.
Quand est-ce que je peux taper? Quand il fait ça déjà. Le caillou! Merde, je savais pas qu'il allait faire double hit. Une goulotte. Ouais, j'espère qu'ils feront 3 jobs aussi, comme dans Heavensward. Après, c'est peut-être un peu trop demandé, on verra. Really, bro? J'étais pas dans la hitbox. Qu'est-ce que vous racontez du coup? Yes. Ouais, je. Moi, je m'en fous un peu de ce comment il sera, j'attends de voir et aussi. Mais je peux comprendre que les gens ils voulaient un danseur leader. Moi, je voulais bien un samouraï tank. Mais franchement, moi, je trouve les deux classes honnêtement dégueulasses. Enfin, ils ont aucun charisme quoi. Danseur un peu parce que c'est danseur, mais juste parce que c'est une femme en slip, du coup les gens ils kiffent. Toujours pareil, dès que tu sexualises quelque chose. Et le gunblader. Franchement c'est vraiment de la chiasse. Hein. Même le samouraï, hein. Il y a plein de classes qui sont pas dingues. Moi je veux un shinobi! Avec une armure de chevaux. Le japonisme. Des femmes chats en robe qui dansent. Qui dit mieux? C'est tout hein, du coup les gens sont hypés. Hein. Moi je serai hypé quand je verrai la classe et qu'elle sera stylée à jouer. Et le concept en soi, il est hypant, juste parce que c'est une danseuse quoi. Comme Primrose dans Octopass. Elle est stylée de prime abord parce que c'est une danseuse et qu'elle est sexy et tout. Mais après, son histoire aussi est très bien, c'est ça que j'aime bien. Mais laisse-moi tranquille toi. Merde, je suis stunné depuis tantôt. Et je brûle, je crois. Ah ouais, je suis en feu. C'est vraiment pas un essai de dingue, mais quand même le faire. Il me tire dessus de là-bas. Ah ouais. Les mecs énervés, quoi. Il a pivoté sur son talon! Incroyable! J'ai besoin d'un talon comme ça dans ma vie. L'argent?
Ah là par contre j'ai foiré. J'avoue. Y'aura pas besoin d'expliquer comment jouer Bard alors. Je peux pas juste rush par au-dessus de ce feu, je crois pas. C'est chiant qu'il y ait des adds dans ce combat. Toi, tu peux pas venir m'aider, toi. Elle aurait pu me toucher à la sortie de mon truc, quoi. On manque que t'es invu pendant que tu fais ça. Hein. Merde. Ah ouais, putain, j'avais plus beaucoup de vie à cause du combat contre les autres ZAD. Feels bad. Je pensais que j'étais full vie vu que c'était le début du combat. Alors quand il boit, je crois que je peux lui mettre 3 coups, non? Attends, y'a pas mon collègue. Ah mais ouais, il est même pas venu. Ouais, il s'en bat les couilles. Pas sauter quand il fait ça en plus. Vas-y, j'étais pas dedans, dommage. Comme ça. Il faut pas trop chier, même s'il me remarque. Du coup, en vrai, après, je me fais chier à être discret pour. Ah bah ils m'ont vu. Du coup, vraiment que je lui parle. Peut-être je vais le garder en renfort pour après. Genre en P2 ou quoi. Yeah.
Au secours. Il est le gros. Oh putain, il est là. Oh, vas-y, il m'a touché quand même. Bon, j'ai combien de P? Ah ouais, je peux être full vie avec la boulette plus plus de popo, du coup ça va. On peut essayer ce try un peu plus legit. Ah dommage, il apparaît. J'aimerais rester proche de lui et lui tourner autour plus facilement, mais bon, on va essayer de le faire petit à petit. Ah! Dommage. Quand tu veux le gros. Bien vu. Merde, c'est pas que j'allais dans la flotte, sinon ça va être chiant. Mon collègue s'en bat les steaks, hein. Super vitesse, c'est Sonic. Watch out! C'est vrai qu'il fait deux coups. Des boulettes. Super vitesse. C'est trop marrant de courir en fait. Ça marche bien. Ah merde, c'est bon. Ah c'est bon. Ok, encore une fois. Bon, je vais peut-être appeler mon collègue. Quoique, non, en vrai, je m'en sors bien comme ça, je vais continuer. Pas commencer à changer. Ah! Une équipe qui gagne.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce qu'on appelle les frappes chirurgicales. Désolé, ça fait mal à la tête de me voir courir comme ça, mais bon, écoutez, ça me permet de le défoncer, moi je dois faire. Putain, je m'attendais pas qu'il fasse deux coups de main là. Surtout ça me permet de le faire sans le collègue qui vient carry. Moi ça me va. Hein. Nictas. Et voilà, Perle de Chapelet offre en offrir 4 à une idole de sculpture, du sculpteur permet d'augmenter la vitalité et la posture maximale. Yes. En plus il est vivant. Trop bien. Torio, je t'ai sauvé. Du coup j'ai pas lu depuis un moment, je check ce que vous disiez. La rotabarte c'est easy. Ah. Ça a toujours été un DPS le lanceur, yes. Bah en fait j'ai l'impression que le lanceur sera comme le bard, j'avais dit non. Mais bah, je vois ce que tu veux dire, genre c'est un DPS à distance, mais en vrai le feeling peut être différent, tu vois. Le feeling peut être différent, du coup c'est ça qui compte. C'est possible, peut-être mieux, qui sait. Oh, des buffs hein, sans doute. Il veut juste pas perdre sa place méta qu'il soit assis sur autre chose que la crit, mec. Mais Exo s'en fout. C'est pas grave. Hein. Même s'il donne de la crit aussi. C'est que pour les compos méta que c'est chiant. Mais en vrai. En vrai, c'est bien si ça change la méta. En tout cas, il va avoir l'air intéressant. Je sais pas s'ils feront une classe de heal. C'est beaucoup de boulot. Sur moi, il me hype, me faudra un temps d'adaptation pour le jouer. Tous les lapins danseurs, il n'y aura que ça dans le jeu. Moi, je sais pas si je vais encore là, si je vais la monter ou pas. Et ça, j'avais lu, ouais, le reste, j'avais lu. Le machiniste, c'est sûr qu'il ressemble au bard, par contre. Mec, il n'y a rien ici. Yes, il n'y a plus rien plutôt. Merci de m'avoir aidé sinon pour le combat. Hein. Du random là. Il n'y a pas du loot caché derrière. Moi, tout ce que je peux vous dire sur FF, c'est que la manière dont ils présentent les trucs, c'est toujours comme les autres extensions. Du coup, c'est pas très compliqué de savoir ce qu'ils vont nous proposer, mais c'est toujours aussi
toujours aussi intéressant niveau qualité, quantité. Je trouve que c'est assez. Moi, je suis ni déçu ni hypé. Je suis dans mon habitude quoi de FF. Il y a une extension, il y a des zones, il y a des jobs, il y a... Tu vois ce que je veux dire? C'est genre... tranquille. J'ai ce que je veux, quoi. Ni plus, ni moins. Il n'y a pas moins, donc il n'y a pas plus. C'est parfait. C'est tout aussi kiffant qu'avant. Moi, j'ai pas besoin que ça change. Hein. Moi, je suis très content comme ça. Hein. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est... Hop. C'est le trailer des compétences, parce que là, ça change. Et ils peuvent rendre des classes super intéressantes et d'autres moins. Du coup, ça c'est important. Mais le reste... En plus, j'aime bien suivre l'histoire en début d'extension, du coup, c'est cool. Après, j'en aurai un peu moins, plus rien à foutre.